trouve pour bon normalement on est sur Judgment, mais là j'ai eu envie de revenir sur Final Fantasy. Ça faisait je sais pas, ça doit faire au moins 2 semaines que j'ai pas joué à Final Fantasy. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Mais je dois bien avouer que je me souviens plus forcément des touches. Donc on va voir ce que ça donne. Attendez, hop. Ce sont les petits préparatifs. Ah là là, vous savez très bien. Les petits préparatifs quand on se met en live. Voilà, c'est bon. Ah, j'en vois déjà qui se plaignent. Bon, alors là, du coup, il faut que je me... bon, c'est pas une quête secondaire, hein. Il faut que que j'aille... ici. Alors, c'est très loin, hein. Faut qu'on aille à la chapelle pour faire la quête, les trésors de Cornéo. Donc, si j'ai bien compris, je vais au bout de la gare et je tourne à droite. Je m'entends pas très bien dans dans le micro. Je sais pas, je pense que ça... Je pense que ça fonctionne. Enfin, du moins, je l'espère. Attendez. Qu'est-ce que j'ai merdouillé? Voilà. Et voilà. C'est bon, c'est bon. Les gens se plaignent, mais ça va. C'est bon. Pas déconner, quoi. Les gens se plaignent, toujours. Les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? La mission, oui, bon, bah, le micro. La mission, oui, mais le micro. Chaque chose en son temps. C'est bien là, hein. Oui, je vois que... Ça prendra 2 secondes. Allez. Alors voilà, c'est ça. C'est que ça fait très longtemps que j'ai joué. Donc il va falloir être indulgent. Déjà le lock, c'est ça. Ah là, toujours ce souci de caméra là. Déjà fini? Ouais, déjà fini. Toujours ces petits soucis de caméra avec ce jeu. Mais bon, ça devrait bien se passer. Donc là, on est quand même au chapitre... je crois qu'on est chapitre 14, hein. Si je dis pas de bêtises, histoire à L2, oui, chapitre 14. Mais bon, en attendant, je me fais. Bon, j'ai envie de m'upgrader un petit peu, de faire du leveling. Donc, je me fais 2-3 quêtes secondaires. Pour se protéger, c'est ça. Hein. Ouais, parce que sur Judgment, que nous faisons en walkthrough sur ma chaîne. Pour se protéger, c'est l'autre bouton. Alors, c'est un petit peu. C'est un petit peu désorientatif. Attends, souffle un peu. On est un petit peu désorienté là, du coup. Peut-être mille sons un peu fort dans mon casque, hein, excusez-moi encore. Voilà, là on est bien là. Là on est très bien. Et peut-être même. Voilà, là on est très bien. Oui, là je pense que c'est bien. On va pas se faire chier non plus. Hein. On est que 2 milliards sur mon stream. Le jour où on en sera 5, bon, peut-être qu'on verra un peu pour le son, pour améliorer la qualité. Pour le moment. On va faire comme ça. Mais j'ai l'impression que je suis en train de me faire, comme disent les jeunes, bananer. Parce que je crois qu'il y a 2 semaines, je suis déjà venu ici et en fait, il fallait que je me casse. Mais on va voir. Je me souviens plus du tout de l'histoire ni rien. Alors elle, qu'est-ce qu'elle me veut déjà? Parce que je suis venu exprès pour toi là. Hein. Je sais pas si t'en as conscience. Alors. La clé? Je vous la rendrai une fois que vous aurez réglé mon problème. Ah oui, d'accord. Donc on s'est tapé tout le chemin pour que dalle, quoi. La clé? Je vous la rendrai une fois que de mon problème. Bah oui, mais ton problème, c'est quoi ton problème? Bah oui, mais c'est quoi ton problème? T'as un problème déjà? Y a pas de problème. Allez, salut, y a pas de problème. Donne-nous la clé. Mais c'est quoi son problème? Mon Dieu. Comment je vois les quêtes? Voilà. Hop. Le trésor de Cornéo. Ah, c'est bon, j'étais dessus. Qu'est-ce qu'il y a?
L'ange gardien a volé à la Shinra la clé permettant d'accès au trésor de Cornéo. Un journaliste enquêtant sur sa véritable identité a demandé à Cloud de se rendre dans le repère du voleur près du poste d'observation. La clé des trésors de Cornéo n'avait pas été volée par l'ange gardien, mais par Kyrie, coopéré avec elle en échange de cette clé. Oui, d'accord, bah, je veux bien coopérer avec toi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a dû m'expliquer son problème, mais je m'en Si souviens plus. seulement j'avais su que je m'attaquais à la Shinra, je ferais plus la même erreur, ça c'est sûr. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Merci à vous. Ben, merci à vous, on n'a encore rien fait. T'es bien indulgente, ma petite. T'es bien gentille. La clé, je vous la rendrai une fois que vous aurez réglé mon problème. Oui, mais alors c'est quoi ton problème? Ça nous dit rien. Puis là, ça sert à rien d'y aller, bien sûr. Hein? C'est quand même drôlement bien fait. Hein. Il y a vraiment un souci de caméra, par contre. Hein. Là, c'est. Bon, bah, on est revenu pour rien, je m'en doutais un petit peu, malheureusement. J'ai du mal à m'accrocher à l'histoire. Hein. Le gameplay est pas mal, tout est bien, mais je sais pas. Peut-être l'âge. Pourtant, jugement, ça se passe tout très bien. Et puis là, je sais pas, on s'en fout un peu de l'histoire. Bon, on va se téléporter, hein, évidemment. Ce qui serait bien. Qu'est-ce qu'il y a comme autre quête? Non mais moi je veux pas les quêtes en forme de. Attends, déjà on va voir. Là on peut se téléporter là, la route effondrée. On a un chocobo, je me souviens. On a un chocobo à secourir. Allez. Oui, bah ça me coûte 300 balles. Bah ça me coûte 300 balles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette petite caméra qui m'a l'air bien insolente? Alors, beaucoup mieux. Il y a mon fond vert qui merde. Je pense que c'est le trop plein de lumière à droite. Mais bon, comme je le dis souvent, les puristes que vous êtes rectifient de même. Oh, la musique est insupportable. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un côté tellement enfantin dans Final Fantasy VII. Et pourtant, j'adore les JRPG, bon, j'en mange, hein. Mais celui-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas pour moi. J'ai du mal à m'investir dans l'histoire. Alors, je regarde la carte. Alors, normalement, hein, si j'ai pas trop dit bêtises, il devrait y avoir un... C'est quoi? À la recherche des chocobos, oui, très bien. Mais je crois qu'il faut qu'on tourne à droite. Hein. Bon, j'espère que je suis pas en train de me planter. Non, non, il y a un chocobo dans cette direction. Enfin, j'espère. Allez, redonne-moi tous mes points Mako. Oh, je suis en train de m'éloigner durement là. Là, c'est quoi? Boutique de souvenirs? Ah, je sais plus comment on fait. À la recherche des chocobos en fuite. Mais je sais plus où ils sont. La garçonne voleuse, collecte d'informations. Je sais plus. Je sais plus. Zone de développement, boutique de souvenirs. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? La garçonne voleuse. J'imagine que c'est le truc de la clé. Allez, on va essayer d'avancer dans l'histoire, hein, parce que sinon je sens que le jeu, je suis à deux doigts de l'abandonner. L'histoire m'intéresse pas. Le gameplay est très très bon, hein, ils ont fait un système de combat qui est pas trop mal. J'ai quand même l'impression qu'on est tout le temps en train de se soigner. On va faire ça. Hein. Elle est où la garçonne, machin? Voilà, la garçonne voleuse. Ah bah voilà! Kyrie, celle qui a volé chez notre. Voilà, on doit se rendre. Voilà, bon bah on fait ça. Allez, on fait cette quête ici. Oui, la garçonne voleuse. Allez, on revient sur nos pas. On va faire quelque chose où on sait où on se dirige. Hein, parce que le coup des chocobos, ça fait 2 semaines. Mon dieu, bon, 2 semaines, vous doutez bien que moi, les chocobos. Petit peu oublié où il se trouvait. Il peut rien à branler, même, pour pas vous le cacher.
tout en étant pas, tout en essayant d'être le moins vulgaire possible. Donc on va se téléporter ici, à l'arrêt de carrosse à Chocobo. Normalement, on doit pouvoir se téléporter. Il est où voilà. Ça commence à passer. Donc on est là. On est ici, voilà. Oui, s'il vous plaît. Ah, ça y est, le fond vert a complètement merdé. Ah non, c'est bon. Ça dépend, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend. Des moments ça fonctionne, des moments ça fonctionne moins bien. On sait pas très bien. On n'est pas bien au fait. Oui, la musique des chocobos, espérance de vie, 3 jours si vous l'écoutez en boucle. Ah, c'est curieux, dans Jugement, mais on n'est pas dans Jugement. Je m'étais habitué au temps de chargement de Jugement, alors forcément là, disons que... Alors lui, bien sûr, il a la recherche des chocobos. Non mais on va marquer comme prioritaire celle-ci. Hein. Ça va être un merdier pour y aller. On va passer par là tout doucement. Ah, qu'est-ce que toi, qui c'est cette petite fille? Qu'est-ce que tu fais? Il y avait une petite fille perdue, je me souviens plus. Eh! Comment faire? Eh oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Police! Police, elle est là! Tu vas bien? Moi, oui. Et Marlène, je m'inquiète. Elle va mieux que jamais. Marlène, elle est morte. Elle est morte, petite Marlène. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous pouvez aller chercher des disques pour le jukebox? Oh, c'est notre quête! Je me disais que tout le monde irait beaucoup mieux avec un peu de musique. C'est une très bonne idée, Betty. Non, non, on n'a pas okay, le temps. Ok, Betty. Tout ce qu'on trouve, on te le rapporte. Ensuite, à toi d'en faire profiter les gens du quartier. C'est vrai? Merci! Déjà, remets ce pantalon, là. On dirait quelqu'un qui a été violé en prison. Parce que c'est ça, la signification, hein. Non, pas violé. Faut savoir quand même que les détenus américains, quand ils ont le pantalon relevé d'une jambe, ça veut dire qu'ils sont libres pour se faire sodomiser. Hein. Faut quand même que les gens soient au courant de ça. Hein. Donc vous amusez pas à le faire avec votre petite jogging. Donc elle m'a demandé de... Bah, encore une quête à la con. Voilà, tout simplement. Je me suis fait avoir. Qu'est-ce? Ouais, ah oui. Ah bah ça m'a été bien utile ça de savoir que tu chiales. C'est terminé. Ah bon? Hey Kojak. Mais non, c'est le mec de Star Trek. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai perdu absolument tout ce que je possédais. Bah oui, bah écoute, on a chacun ses soucis, hein. Y'a pas que toi qui as des soucis. Ouais, je suis déjà venu ici. Ouais, j'ai vraiment un mal fou à me remettre dedans. Hein. C'est délirant. Comment on se casse d'ici? Marlène, c'est quoi ce traquenard? Comment j'ai fait? Je suis arrivé là. Là, je suis remonté. Non, mais sans déconner. Ah oui. Voilà, je suis un peu près de l'écran, ça me donne envie de dégueuler. Mince. Ah! Ah, on a entendu une musique qu'on ne connaît point. Comment on rentre dans ce petit bâtiment? Voilà. Ah quoi, t'as été chier? Oh, ça va, c'est le week-end. On peut se détendre un peu. Lui, il a une musique à me vendre, je le sens. Allez, file le son. C'est pour passer la nuit? Non. Non, non, c'est pour de la musique. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Il se drogue dans les toilettes en mimant qu'il passe le balai. Tu crois qu'on n'a pas vu que tu te drogues? Alors là, il y a une musique et vraiment, ça donne la gerbe. Hein. Je suis vraiment trop près ou quoi? Ah, mais voilà, il y a Kojak qui est ici. Prendre du bon temps en écoutant de la musique, il y a vraiment que ça de vrai dans la vie. Quoi?
Tu veux essayer toi aussi? Tu veux essayer toi aussi? Tu me files de la drogue ou tu me files un... Ok, donc on a trouvé un disque. Oui. Très bien. Oh là là, c'est inintéressant ça, franchement. On est en 2020 et nous, le petit mec il nous file des disques. Enfin, ça... Pourquoi pas, hein, mais bon. Non, moi je veux me rendre. Où est le pouvoir de la musique? Non, 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 on s'en fout. Hein. Je veux aller là. Putain, mais par où on passe? Là, c'est un cul-de-sac. Donc il faut que j'aille tout droit, à droite. Tout droit à droite. Non, puis le truc des armes, là, c'est sans fin, en fait. Bon, lui, on le connaît. Il va encore nous dire qu'il y a encore un monstre à tuer. Cloud, j'étais sûr que vous étiez sain et sauf. À nous de créer de nouvelles matérias pour surmonter ces temps difficiles que nous... En fait, ils se sont amusés à... Ah bah, j'ai... Mission VR, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est bon, il n'y en a pas de nouvelles. Acheter, qu'est-ce qu'il me propose? Le vent, j'ai déjà en stock. Enchaînement magique, il est épuisé. De toute façon, j'ai pas de sous. J'ai combien de sous? C'est où que c'est marqué? J'ai 8600. Garde renforcé, c'est pas mal. Hein. Mardia réduisant les dégâts subis en augmentant le remplissage de la jauge ATB. J'ai bien envie de m'en prendre une. Voilà. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. Ah, c'est bien. J'aurai besoin de votre aide pour obtenir les données correspondantes. L'instruction rapport a été actualisée. Actualisée. Ça fait longtemps que j'y ai joué, hein. Du coup, là, je... Je sais même plus où ça se trouve, d'ailleurs. Le rapport, c'était pas... Rapport de combat, voilà. Donc ça, on a finalisé. Analyse de la faune. Analyser sur 20 spécimens de créatures. Augmenter, ok. Oui, on est toujours dans ce... C'est du remplissage, hein, je suis désolé, mais bon... Tiens, excusez-moi, ouais. Mais où est le garde de la Shinra? Ah oui, tout a été détruit. En plus, ça ne fonctionne même pas, c'est-à-dire que j'ai pas, même pas eu le temps vraiment de m'attacher à l'ancien décor pour me rendre compte en fait que là tout avait été détruit quoi. Donc ça ne fonctionne pas sur moi quoi. Bon, j'arrête de me plaindre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, eh oh. Dis donc. Salut PD. Si tu en restais là. Pardon. Ça fait des heures. Pardon. Que tu es ici. Non. Salut pas question. Les gens gays. Quoi? Alors. De nos jours, on va vite en prison pour un mot de travers. Tout va bien. Tu connaîtrais pas un moyen de se rendre sur le plateau? Dans l'état actuel des choses, ça me paraît impossible. Tiens, tiens. Qu'avons-nous là? Une ravissante jeune femme et qui me semble avoir beaucoup de potentiel. Hein? Bah, tu l'as déjà vu. Parfaitement proportionnée avec des muscles saillants. Bien, bien. Je vois que tu as eu un excellent professeur. Toutefois, je te sens très tendu. Tu es pleine de doutes. Tifa? Dis, c'est toi la fameuse Tifa? Tant que tu y es, pourquoi ne pas faire un duel de traction? Oh, il est ridicule, lui. Transpirer un peu, ça aide souvent à alléger le poids qu'on a sur le cœur, tu sais. Non, mais franchement, les... non, mais vraiment, je veux pas me plaindre, mais les quêtes secondaires sont... C'est risible, quoi. Enfin, regardez-le, quoi. Je sais pas. Très bien. Alors, c'est parti pour le concours de traction. Dans quoi je me suis encore engagé? C'est une rencontre. J'ai 41 ans, au secours. Règle des tractions. Oui, je connais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Sublime posture. Oula. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Bah quoi, j'ai bien réussi.
Tu t'en sors très bien. Continue comme ça. Allez. Mais pourquoi elle tombe? Mais pourquoi elle tombe? Non mais je comprends pas. Continue comme ça. Peut-être que j'appuie trop tôt. C'est tout ce que tu sais faire. J'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Ah hein. Oh, ça m'agace. Tu n'étais pas à la hauteur, mais tu m'as bien diverti. J'ai exactement appuyé sur les touches au bon moment. T'es perdu. Tu ne dois jamais abandonner. Défie-moi encore et encore et tu finiras par me vaincre. Non mais... En même temps, ça m'agace. Hein. J'ai vraiment envie de réussir. Il faut que je comprenne. Tu es prête? Allez, allez. Voilà, ça c'est tout moi. Je suis quelqu'un de têtu. Ensemble, trouvons nos limites et dépassons-les. Attends, lire à nouveau. Pour gagner, il suffit d'effectuer plus de traction que... Oui, bah, j'ai bien compris ça. Pendant un duel de traction, l'ordre des touches est inchangé à chaque tour. Vous aurez besoin de toutes vos violences. D'ailleurs, la vitesse des tractions augmente au fur et à mesure que vous réussissez. Le but est d'appuyer sur les bonnes touches au bon moment afin de trouver le parfait timing. Contre des vaseurs coriaces, il accumulera de la fatigue. Vous devrez alors appuyer rapidement sur une touche plusieurs fois. Ah, à vous de faire en sorte que le jeu se remplisse complètement. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Fais plus attention au rythme. Tu t'en sors très bien. Continue comme ça. Et là, pourquoi ça disparaît? Putain, mais... Il en a déjà fait 7, mais c'est quoi ce délire? Oh, magnifique! C'est une posture. Et pourquoi ça disparaît? C'est tout ce que tu sais faire. Et qu'est-ce qui... Oh, ça m'agace. Encore une fois. Je pourrais balancer... Ça ne m'arrive jamais, hein. Mais je pourrais balancer la manette, là, tellement c'est con. Et que ça m'agace. J'appuie exactement au bon endroit et... Oh, puis lui, avec comment il est habillé, je... J'ai quelqu'un de tolérant, mais quand même. Hauteur, hein. Mais tu m'as bien diverti. J'ai moins bien fait que la première fois, c'est quand même fou cette histoire. Une simple défaite ne signifie pas que tout est perdu. Tu ne dois jamais abandonner. Oh, mais je veux me foutre tes conseils. Et tu finiras par me vaincre. Mon dieu. Et je vais éteindre la lumière là, parce que ça fait un... Ah, je reviens tout de suite. Ah voilà, je sais pas, c'est trop de luminosité, j'en sais rien. Mais bon, ça faisait que le fond vert déconnait complètement. Là, je pense que c'est un petit peu mieux. Non, mais là, cette histoire de pompe, c'est complètement infernal. Je vais le refaire. Il faut que je comprenne. C'est pas possible. Oui, oui, Andy, oui, tu vois, Andy. Je t'en prie, ne me déçois pas. Ouais, non, mais moi. Posture. Et là, ça dit. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Ah là, elle se relève en fait. Continue comme ça. Tu t'en sors très bien.
tout ce que tu sais faire. Bon, on a fait 4 chacun. Continue comme ça. Eh, pas mal du tout. Encore une fois. Sublime posture. Oh, magnifique. Contrôle ta respiration. Putain, mais pourquoi il en fait plus que moi? Je comprends pas. Tu n'étais pas à la hauteur, mais tu m'as bien diverti. Ça m'agace, hein. Ça m'agace. Ah, ta gueule. Perdu. Tu ne dois jamais abandonner. Si j'étais vulgaire, je dirais des choses qui tombent sur le coup de la loi. Hein. Mais je ne suis pas de ce... je ne suis pas comme ça. Non, mais regarde les mecs, là, ils l'ont fait exprès, c'est pas possible, quoi. Il est chaud patate aujourd'hui, ça c'est sûr. Oh là 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 là. Essaye de donner un peu lui, de challenge à Andy. Il me fait penser au mec qui se faisait passer pour le frère de Khan le survivant. Comment il s'appelait? Qui se prenait pour un docteur et... J'ai hâte de voir ce que ce duel va donner. Au couteau no Ken. Non mais je reviendrai, enfin j'ai pas saisi. Attends, là je suis là, on va tourner à droite. Aujourd'hui encore, le Colisée vous ouvre ses portes. J'ai mis en français parce que malheureusement, mais j'adore jouer en version originale, hein, c'est pas le problème. Mais j'ai mis en français parce que c'était plus simple et puis c'était plus drôle. À partir du moment où j'ai vu que l'histoire, bon, puis le traitement des personnages, quoi, c'est. Je m'attendais à un truc plus sérieux, en fait, voilà. Et j'aime beaucoup les JRPG, mais je sais pas. Je pensais que pour Final Fantasy VII, ils avaient grandi en même temps que les joueurs. Et non, ils ont fait un truc cucu la praline. Je suis très déçu. Cette petite merveille cache en réalité une bombe puissante. Avec ça chez vous, les voleurs ne vous poseront plus de problème. Puis dès qu'on a fait The Last of Us Part 2... Ah, par contre, la couverture est mortelle. Un disque contenant un morceau de musique arrangé en heavy metal. Ok. Oui, je l'achète. Peluche Boudou, une peluche tout à fait adorable qui explose bizarrement après un certain temps. Oui, je vais en prendre une. Oui, bah je vais en prendre une aussi. Bah voilà, ça me paraît bien. Merci à toi, jeune. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Dépêchez-vous d'en profiter. Oui, voilà, enfin... Allez. On va aller à la Shinra. On va faire cette quête, voilà, déjà. Ah pardon, ça a été vite là. Ah non, bah non, bien sûr, on est dans le... Alors oui, donc mon fond vert, il veut pas quoi. Je sais pas. Des fois ça veut bien, des fois non. Mais pas, c'est mystérieux cette histoire de fond vert. Bonjour. Tiens, notre champion, tu tombes bien. Aujourd'hui, on avait prévu un combat avec une gamine un peu bizarre, Kyrie. Sauf qu'elle est toujours pas arrivée. Oui, je suis au courant. Qui va assurer le spectacle sans elle? Tu voudrais pas nous donner un petit coup de main? Je suis venu juste pour ça. Fois. Quel programme choisissez-vous? Match spécial. D'accord. Voilà la réponse que j'attendais. T'es le champion en titre, alors crois-moi, le public est totalement acquis à ta cause. Oui, en fait, c'est ça le souci, c'est que Final Fantasy VII, moi, je me souviens à sa sortie, mais le problème, c'est que là, ils nous ont fait un jeu qui est pas plus mature, quoi. Et bon, un peu décevant. Mais t'es qui, toi? Et Kyrie, elle fout quoi? Cette petite voleuse nous a menti. C'est un de ceux qui cherchait Kyrie, lui. Kyrie viendra pas. Bon, faut que je me souvienne des touches. Hein. C'est moi. Cette pause de 2 semaines. Changement de programme. Je vais passer ma frustration sur toi. Oh là là, les doublages. Les circonstances étant ce qu'elles sont, ce combat pour la coupe de l'ange gardien s'est mué en match retour. Excusez-moi,
Je me prépare psychologiquement. Quel des deux combattants parviendra à soulever la coupe? Il est pas mal fait, hein. Non mais ouais, le jeu est beau, hein. Bon, j'ai dû enlever le HDR. Alors, voilà, ça c'est la... Non, mais je me plante parce que, évidemment, je joue à... combo puissant, compétence, enchaînement rapide et compétence. Ah, il s'est pris une esprit de caramadrie. Voilà, merci. Je regarde la jauge de vie. Faire le choc combustible. Je compte sur toi. Allez, 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 on met tout. Voilà, c'est pas mal. Allez, allez, fais la petite parade. Barrette, il a. Parce que je me suis mis en transparent, c'est pas trop mal, j'arrive quand même à zioter, mais il faut. Sort. Extra soin, Barrette. Ah merde, donc je repasse à... Ok, c'est parti. C'est ta part. Je compte sur toi. Et compétences, choc combustible. Voilà, je pense qu'on l'a eu. Le champion a brillamment défendu son titre en remportant une magnifique victoire. Pas mal, pas mal. Il n'a pas combattu cette bête, il l'a tout bonnement dressée. Quelle classe. Je vais faire un petit coup de soin. On a vu plus coriace. Et pour moi aussi. Ok. Bon, j'imagine qu'il va falloir enchaîner quelques combats, non? Pour avoir cette putain de clé. Franchement, vous êtes trop fort. J'ai grave hâte de voir votre prochain combat. La caisson de voleuse, retournez auprès de Carrier, oui. Ah, il n'y avait qu'un combat. Bon, bah tant mieux. Vous avez éliminé les membres de la Shinra et en informé Kyrie. Enfin ouais, ça, puis ça ne tient pas debout quoi. Les mecs sont dans l'arène, ils m'attendent là. Non, il y a un truc qui va pas. Je crois que les gens vont être très déçus d'ailleurs par l'épisode 2 parce que normalement ça va en monde ouvert et j'ai dû... Enfin j'imagine qu'ils vont faire comme ils ont fait là, c'est-à-dire que c'est des couloirs labyrintheux. Alors ? Tu peux être tranquille. Crois-moi, tu n'auras plus jamais affaire à eux. C'est vrai. Mais c'est un bon jeu, hein. Enfin, je peste, mais c'est un bon jeu. Apprendre tes erreurs. Oui, dorénavant, j'éviterai de m'en prendre à des gens dangereux. Je parlais pas de ça. Bon, le problème étant réglé, je vais vous laisser. Il faut absolument que je rentre chez moi. J'ai tellement à faire. Et la clé? Oh. Attends un peu. Mamie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui, mamie. Eh ben, tu m'en as fait faire du souci, toi. Merci de vous être occupé de ma petite fille. Votre petite fille? Ah, je vous l'avais pas dit? Eh oui, c'est ma petite fille que vous voyez ici. Oui, bon sang, on s'en moque, madame. On a les mêmes yeux, vous trouvez pas? On s'en moque de vos histoires. Arrête de te faire prier et donne vite la clé au monsieur. Oui, voilà. C'est bon. Ça nous intéresse, la Mais clé, s'il vous plaît. Elle servait à quoi, juste cette clé?
Tu commences à m'énerver, des toi. Salles des trésors de Quand on a encore de la morvonnée, on vient pas se mêler des affaires des grands. Voilà, écoute ta grand-mère. Arrête de dire des choses comme ça, c'est gênant. Écoute ta grand-mère, s'il te plaît. C'est gênant ? En tout cas, voler ce qui t'appartient pas n'a pas l'air de te gêner beaucoup. Même les voleurs doivent faire leur travail consciencieusement et en étant capables d'assumer la responsabilité de leurs actes. Bon, un petit peu de morale ne fait pas de mal en cette journée de Noël. Et je sais de quoi je parle. Mais alors, l'ange gardien, c'était vous ? T'es d'Avalanche, non ? Mon Dieu, ce tunnel. Tu aimerais pouvoir en faire encore plus. Je me trompe ? Je ressens la même chose. Avalanche, l'ange gardien. Au fond, on n'est pas si différents, vous et moi. Ce dont on a besoin, c'est d'une volonté de vivre sans retenue. Un petit peu quand même, madame. Décider par nous-mêmes de notre parcours. Nous seuls sommes capables de devenir celui ou celle que nous voulons être. Je suis pas certain de votre philosophie de vie, mais bon, donnez-nous la clé. Une note sur les caches de Corneo. Bon, très bien. C'est ça qui nous intéresse, hein. Et mamie, là. C'est ça, tourne-nous le dos. Bon, on a fini la quête de la garçonne, quand même. Hein. Bon, il va falloir... C'est horrible, hein, quand on est joueur. On a toujours envie de parler, de savoir. J'ai entendu quelque chose à propos de Corneo qui pourrait vous intéresser. Il paraît qu'il possède plusieurs chambres cachées un peu partout dans les égouts. Ouais, et alors ? Tiens, j'y pense. Quelqu'un a dit avoir vu une porte avec une décoration tape à l'œil sur la route effondrée. D'ailleurs, si ça peut vous aider, il y en a aussi une avec la marque de Corneo, juste à côté du repère de l'ange gardien. Oui, mais tout ça va être sur ma carte, madame. Vous nous dites des conneries. Enfin... Ah, bon, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous, là. Retournez dans votre EHPAD. Donc, on a la clé. C'est très très bien. Attends, comment on fait pour les quêtes ? Moi, je suis à la recherche... Ah non, maintenant, c'est pouvoir de la musique. Donc, j'ai la clé qui me permettrait d'aller chez Corneo. Voilà, les trésors de Corneo. Utilisez la clé pour mettre la main sur les trésors de Corneo cachés en divers endroits. Voilà. C'est ça le problème de ce jeu. C'est que c'est de rallonger la vie inutilement. Moi, ce que je veux, c'est le trésor. Donnez-moi du trésor, faites-moi rêver, bordel de merde. Me foutez pas tes trésors un peu partout. Moi, je veux... Mon Dieu, là. Bon, la vieille. Je vais me téléporter. Déjà, téléportation. Allez. Soyons fous. Alors. En plus, encore cette histoire de chocobo. Sur la route effondrée, elle a dit qu'il y avait quand même quelque chose. Ah, oh, mon Dieu. Allez, on y va. Allez. Sont trois endroits. Ils veulent vraiment être certains qu'on aille un peu partout sur leur foutue carte. Pour être bien sûr qu'on perde notre vie ici. Moi, j'ai perdu des dizaines d'heures de ma vie dans ce jeu, déjà. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ah oui, trop. Espérance de vie 3 jours si vous écoutez cette musique en boucle. Hein. Mon Dieu. C'est pas sérieux. C'est Noël, quoi. Ok, j'ai 41 ans. Je joue à ça, là. Qu'est-ce qui se passe, Romain ? Qu'est-ce qui est arrivé au final ? On peut en arriver là, quoi. Hein, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Bon. Ah bah voilà, là il y a des petites choses. Le pouvoir de la musique, ah oui, mais ça c'est la gamine qui me demande des disques, mais ça c'est infernal. À la recherche des chocobos en fuite, on est au courant que c'est de la merde. Pensée fugace. Tiens, ça c'est quoi ça ? C'est encore une quête. Ce jeu est rempli de quêtes pour te faire perdre ton temps. Et alors sinon on peut faire avancer l'histoire. Hein. Moi je pense que c'est le mieux. Hein. Parce que tout ce... J'ai essayé de jouer le jeu, hein. Des quêtes secondaires. Mais c'est insupportable. Peut-être que je pourrais le refaire, mais... Non, c'est insupportable. J'en suis désolé. On va aller au Walket Market et on va continuer l'histoire. Parce que sinon, je sens que je vais abandonner le jeu. Ce qui serait fort dommage. Après, en société, je pourrais pas me vanter d'avoir fini Final Fantasy VII. Et je ne veux pas que ça arrive pour une histoire de chocobo ou de clé ou de trésor caché, quoi.
En société, j'ai envie de briller comme tout le monde et de dire oui, Final Fantasy VII, pardon. Oui, oui, je connais, oui, j'ai fait. Oui, j'ai terminé le jeu, oui, bien sûr. Le remake aussi, oui. Tout à fait. Non, non, ça serait trop bête. Et pourtant, j'aime bien compléter les jeux, hein, j'aime bien, hein, mais là... Oh là là, je sais pas, le doublage, j'ai l'impression qu'on prend pour un idiot, quoi. C'est très désagréable. Dans Judgment, que je fais actuellement en walkthrough, enfin, j'y joue, quoi. Le jeu est sérieux, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être avec l'âge, enfin, c'est sérieux, c'est japonais quand même. Mais on s'accroche à l'histoire, c'est un petit thriller, c'est sympathique. Mais là, ici, ils nous prennent. Là, c'est délibérément, on nous prend pour des cons. Alors, pourquoi pas, mais fou, mon dieu que c'est difficile. Allez, on fait avancer l'histoire. J'en ai marre. Je me fous de tes disques, la gamine. Tu te les trouveras tout seul, tes disques. Je fais dissidence. Je fais sécession. En ce jour de Noël. En ce jour de Noël, c'est la sécession, c'est la dissidence. Eh ben dis donc. Eh ben on est chez lui là. Il y avait une porte ici, bon dieu de... Il y avait une porte que je pouvais pas ouvrir parce qu'il me fallait une clé. Je me souviens. Genre là. Je me souviens qu'il y avait une porte, c'était marqué non 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 ta 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 ti ta ta, t'as pas le droit d'y aller. Oh mon dieu. Non bon là c'est là où on s'est réveillé. Je sais qu'il y a une porte ici. Enfin je me souviens qu'il y a des portes qui m'étaient interdites. Ah bah sinon là c'est on continue l'histoire, mais c'est peut-être en bas. Ah oh là là, mon dieu. Je regarde vite fait. Je sais plus. On est chez Cornello, là, ou je sais pas comment il s'appelle. Non, il y a que dalle, évidemment. Évidemment, je me souviens de rien. Évidemment, je me souviens de rien. Pousse-toi. Enfin, s'il te plaît. Alors, celle-là. Parce que celle-ci, vraisemblablement, c'est pour faire continuer l'histoire. Non, c'est le même merdier ici. Ah. C'est quoi ça? Je me souviens plus. Bon, en tout cas, je n'y suis jamais allé. Il y a un coffre que je n'ai jamais ouvert. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Venez m'aider. Cristal mystérieux. C'est quoi déjà? Est-ce que j'ai moyen de m'upgrader? Tiens, ça fait longtemps. Non, j'ai que dalle. Cristal, je sais même plus ce que c'est les cristaux. Ah oui, les colliers, les machins, ok. Équipement. Bah, Cloud. Alors, c'est quoi le cristal mystérieux? Ça doit être un truc très bien. Un mystérieux cristal qui renferme de l'ambre. Ah oui, ah pardon. Réduit la durée d'effet des altérations d'état infligées au personnage. Eh ben c'est bien ça. Moi j'ai quoi? Barrette, Tifa. Barrette, Tifa. Claude, j'ai quoi moi? Un gilet par balle. Pour perdre le 2 et qui me permet d'enlever les altérations d'état, c'est pas trop mal. Allez, je le prends. Et du coup, je vais donner à... Je vais donner à Barrette. Il a le gilet par balle déjà. Raccoup du Seigneur, c'est quoi ça? Augmente l'effet des soins. Non, on va lui mettre le gilet pare-balles. Parce qu'elle est très fragile. Hein. Puis je soigne pas avec elle. Donc comme ça, c'est... Et ben, comment on ouvre? Oh mon dieu. Ils se foutent de nous. Venez m'aider. Ben oui, je veux venir t'aider. Comment je peux passer par ici? Sous-sol. Premier étage.
peut-être après. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus. Si j'avais pas lâché, si j'avais pas lâché le jeu, je me souviendrais peut-être d'où on est arrivé. Mais moi, je veux bien t'aider, mec. J'ai même envie de t'aider. Hein. Moi, c'est mon fond catholique, ça. En ce jour de Noël, je peux pas t'abandonner, mais Venez m'aider. C'est sûr que c'est pas par là, quoi. Oui, bah n'en fais pas trop non plus. C'est joli ici. N'en fais pas trop non plus. Tu t'es mis dans le pétrin. Je suis sûr que... Bon, on va voir, on va voir, on va voir. C'est pas clair tout ça. Allez, on continue l'histoire. C'est encore vous? Je me souviens pas de toi, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, il nous a aidés. Pour tout avouer, on cherche un moyen d'aller sur le plateau. On s'est dit que Cornéo en connaissait peut-être un. D'accord, je vois. Si c'est que ça, j'en connais un, moi aussi. T'es sérieux? Dis-nous ce que c'est! Venez par ici. Et puis il y a un mec à la cave, hein, si tu pouvais nous aider aussi pour lui. On va voir ce qu'il nous propose. Je sais pas, y a un manque de rythme, il y a quelque chose qui ne va pas. Judgment, avec peu de moyens, arrive tellement à mieux faire les choses. Ah bah Qu'est-ce que voilà un c'est que ce escalier. grand trou? On va pouvoir aider J'ai un l'autre truc à mec. régler en bas. Si vous Merci. acceptez de me donner un coup de main, je vous expliquerai le moyen d'aller sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est bien les égouts, non? Qu'est-ce que tu veux y faire? Cornéo a un repère secret. Il faut que j'y aille. J'espère que t'es pas en train d'essayer de nous tendre un piège. Si c'est ce que vous croyez, tant pis. Je trouverai bien quelqu'un d'autre pour m'aider. Et vous irez chercher ailleurs un moyen d'aller là-haut. Bon, d'accord. On va t'aider. T'es sûr, Cloud? S'il nous trahit, je le tue. Oui, voilà. J'y vois Mais aucun il nous problème. a déjà trahi, hein, tue-le. On compte sur toi. Estimons qu'il nous a déjà trahi. On va gagner un temps fou. Je vous en dirai plus quand on sera en bas. J'espère que vous êtes prêts. On y va quand vous voulez. Oh là là. C'est pas malheureux tout ça. C'est ça ton lit? Ah non, oui, c'était le lit du vieux. Oui, je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Je me souviens du vieux. Vous êtes prêts? Oui. Oui, je suis prêt. Bon, alors on descend. Bah, oui. Et c'est quoi ce trou au juste? C'est un piège destiné aux intrus. Hein? Personne n'en est revenu vivant. Enfin, jusqu'à ce que vous y alliez, en tout cas. Ça, c'est censé mettre un cran de tension dans le joueur. Mon Dieu. Bon. Ah, j'ai envie de dire heureusement que le gameplay est là, voilà, c'est ça. Parce que le personnage, là, véritablement, ils ont fait pas beaucoup d'efforts. Et bon, à part Claude, hein, qui est quand même pas mal fait, c'est sûr. Hein, mais tout le côté mise en scène, bon, il y a des belles cinématiques, il y a des beaux trucs. Mais quand je vois Judgment, qui a quand même beaucoup moins de sous, et qui est... Enfin, je sais pas, en même temps, ils peuvent pas réécrire l'histoire. C'est vrai que c'était un truc assez bateau, quoi. Mais je sais pas. Je sais pas. Autant il y a des jeux, Ghost of Tsushima, je les fais à 100%, alors que vraiment, les trucs à l'Assassin's Creed, j'en ai rien à faire. Mais alors autant celui-ci qui devrait me passionner normalement, ça marche pas. Donc, tu vas nous expliquer le moyen d'aller sur le plateau. Si vous remplissez votre part du marché. On perd du temps en fait, voilà. Oh là là. Va pas t'imaginer que t'as gagné ma confiance. Voilà, tout ça c'est... Si je soupçonne la moindre entourloupe de ta Tu part, lui as déjà dit tu tout vas à te l'heure. trouver transformé en passoire. Garde plutôt tes balles pour ce qui nous attend. Ça grouille de bêtes dangereuses dans le coin. Si j'étais tout seul, ce serait vraiment risqué. Mais Mais avec vous, vous. vous devriez en faire qu'une bouchée, pas vrai? Voilà. Réglons ça rapidement.
Allez, on se remotive, Romain. Allez, voilà, très bien, oui, d'accord, tu as raison. Par contre, nous, on se souvient qu'on avait un petit pote qui était complètement. On est déjà venu ici, alors, du coup. Hein. Bon. Il y avait un mec qu'on peut sauver, hein. Je me souviens bien, moi. Il faut aller au Grand Canal, à la limite avec le secteur 7. Passez devant, s'il vous plaît. Moi, je vais vous suivre, un peu à distance. Le mec, il se met comme ça contre le mur. Moi, je vais vous suivre de loin, à 1 km. Je monte la garde. Bon, il faut pas qu'on oublie. Oui, en fait, on revient. Moi, mais je sais plus. Hein. Le mec qui était coincé, bon, bah, malheureusement pour lui. On a déjà fait tout ça. Hein. Je me souviens plus. Hein. Voilà, c'est quand même un jeu que quand on arrête de jouer, ne serait-ce que 2 semaines, on n'en a aucun souvenir. Hein. C'est pas bon signe, hein, en général. The Last of Us Part 2, je me souviens vraisemblablement un peu de tout, quand même. Et là, j'ai arrêté 2 semaines, c'est plus vite. Oh là, voilà. Where? Ah, il est là. À toi de jouer. Ouais, aucun problème. Tiens, ça va de ton côté. Combo puissant. Et lui, ça va, on n'a pas perdu trop de vie, non, c'est bon. Compétence, moi j'aime beaucoup, c'est le choc combustible, évidemment. Voilà. Bon, c'était propre. C'était propre. Voilà, c'est bon. C'était propre. Bon, je vois qu'il y a un petit lit là, on va pouvoir se reposer. Okay. Non, le combat était propre, ça revient petit à petit. Bon, j'imagine qu'il a des faiblesses que dont je me souviens absolument pas ou que je connais pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut acheter? Armes, protection. Bon, bah, j'ai combien de giles? Je sais même plus où on voit combien on a de pognon. Ah, j'ai 2937, pardon. J'ai 2937. Oh, j'ai bien envie de me prendre quand même 2 grosses potions. Voilà. Éther, j'en ai plein. Et super potion, j'en ai. Non, mais j'avais même pas besoin. Ah, on peut quand même vendre des trucs. Alors, est-ce qu'on peut vendre. Toutes ces conneries là? Je sais plus où ça se trouve. Bon, allez. Allez, on laisse tomber. C'est pas grave. Bon, a priori, j'avais déjà acheté le disque. Là, ici, y a pas un petit coffre? Non. Non, mais la musique est bien, tout. Enfin, je sais pas. Allez, c'est parti. Quoi? Ah, t'étais un petit peu dans les vapes. Et puis le lock, hein, encore une fois, il est pas. Il est où, Cloud? Ah,
Ah, je suis retransformé en crapaud. Allez, allez, allez. Voilà, très bien. Trop facile. Bah, trop facile, je sais pas. Hein. Sort. On va se faire un petit coup de soin sur Barrette. On va faire un petit. Ça serait bien qu'il y ait un soin sur tous. Hein. Et un petit soin sur Tifa. Voilà. Effectivement, c'est infecté. Allez, sans pitié. Bon, lui, il est pas très sympa. Hein. Ah, c'est bon. C'était couru d'avance. Ça va, c'était pas trop mal. À la limite, je suis même surpris parce que j'avais vraiment peur d'avoir oublié toutes les touches. Allez, sans pitié. Ça va faire mal. Attends, Claude, choc combustible, compétence, super combo, et moi. Compétences, je vais le faire sur lui. Ah bah il a une luminité. Qui c'est qui est dans la... Ah, il faut se mettre de la vie à Tifa. Objet. Non, je vais faire de un sort de soin. Oula, un super extra soin. Ça se présente mal. Ah quoi, il a pas voulu le faire. Putain, et ça aussi c'est chiant, hein, c'est. Il est pas mort lui. Autant pour moi, j'avais pas vu. Extra soin. Laisse-moi faire. À toi de jouer. Allez Barrette. Alors elle va faire combo puissant. Et Barrette, il va faire le choc combustible. Voilà. C'était trop facile. Bah c'était trop facile. Oui, je sais que c'est par là qu'il faut qu'on y aille, mais j'aurais voir un truc. Ouais, bah de toute façon on a pas le choix. Je vais me remettre un peu de vie. Voilà. Bah quoi, il veut pas? Quoi de caisse, de quoi, d'où, de quand? Attends, on est arrivé de par où? C'est ça aussi, hein, c'est putain. On est passé par là, on est arrivé par là, hop. Donc faudrait qu'on arrive à droite. Et puis tout se ressemble, c'est quand même problématique quoi quand on fait un jeu. Super potion, ok. Ok, on contourne.
J'ai l'impression de revenir sur... Non, j'ai pas cassé les caisses et tout. Il file pas mal d'antidotes et plein de trucs, à mon avis c'est mauvais signe. On va voir. Je serai sans pitié. Je compte sur toi. Merde. On a gagné un niveau. Voilà, ok. Et c'est vrai que dans les combats, vu que la caméra tourne dans tous les sens, après des fois on repart, on est là, hop, on repart dans ce sens là parce que tout se ressemble, malheureusement. Je me plains beaucoup, hein. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est beaucoup plus agréable de jouer à Judgment. Ah, j'ai une queue de phénix et mes... Ah putain, voilà, ça c'est énervant. J'aurais dû me soigner avant que les PM soient... Ça, c'est un truc que je sais pourtant, il faut que je me soigne avant de casser une caisse, parce qu'évidemment, ils nous redonnent tous nos PM. Mais bon, j'imagine qu'il va y avoir un petit banc, ça va. Bon, il faut quand même que je me donne une... Oh, bah, Ether, en plus, j'en ai plein. Hein. En plus, ça en redonne beaucoup. Hein. Allez, hop. Et on redescend. Non mais véritablement tout se ressemble, on a véritablement la sensation. En speedrun ça doit être très sympa à regarder, mais on a vraiment l'impression qu'ils ont fait du remplissage. Parce que là Allez, c'est parti. Ça sera un monde ouvert à la limite, on aura envie de... On aurait envie d'analyser tous les monstres, enfin ce côté-là. Mais vu que c'est linéaire et que c'est dans un couloir, bon bah. Rapidement on s'en fout quoi. Moi je joue en mode normal, c'est vrai que le jeu est pas. On peut pas dire que. Là je suis en train de revenir sur mes pas, non? Voilà, ça c'est typique. Ouais, je suis en train de revenir sur mes pas, c'est, voilà, c'est typique. Je me suis encore planté. Faut prendre l'échelle. Alors après, c'est peut-être moi qui manque d'attention. Ce qui est possible aussi. Ok. En fait, on a tout le temps envie de regarder la carte, quoi. C'est malheureux. On a tout le temps envie de regarder la carte. Et là, du coup, la carte, elle a disparu. Je sais plus comment on fait pour la faire revenir. Je sais qu'il y a trois modes de cartes. Ah putain, j'ai fait disparaître la carte, je sais plus comment on la fait venir. Ah voilà, c'est là. J'ai eu chaud. Non mais je garde la carte parce que... Le signe d'avalanche, ça doit être lié à cette clé que Jesse avait fait faire à Bix une fois. J'aurais vraiment aimé pouvoir leur dire qu'elle nous a servi. Tifa. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Désolé de vous interrompre comme ça. Ah bah t'arrives maintenant toi. Cette porte pour aller au canal que nous cherchons. C'est bon, on le sait. Excusez-moi. Allez. T'es bien gentil, Tifa, mais tu te pousses. Voilà, on est arrivé. Par ici. Il y a une porte avec l'emblème de Cornéo dessus dans les environs. Ouais, j'arrive. Je vais aller casser. Pourquoi je peux pas courir? Voilà, il y a ça aussi. Il y a des moments où on peut sprinter, puis des fois non. Bon. Alors,
je crois que je pouvais upgrader peut-être amélioration des armes. Oui, Claude, j'ai 12. Je vais améliorer ma broyeuse. J'ai 12. Donc, hop, 12, c'est ici. Attaque physique plus 16. Oh bah oui, évidemment. Augmente les PV. Augmente la défense physique. Je l'ai déjà. Augmente l'attaque magique. Non, non, mais j'avais... Voilà. Mais, ah non, mais je l'ai déjà. Ah oui, mais... voilà, ça c'est idiot aussi. C'est les trucs qui nous restent sont grisés. Normalement, ça devrait être l'inverse. Ah, mais je peux mettre une matériel en plus. Ça, c'est bien. Oui. Voilà, ça m'intéresse. Et c'est, voilà, il y a un truc qui est chiant aussi, c'est que l'amélioration des armes, c'est pas au même endroit que l'équipement. Donc du coup, on passe à un... Alors qu'est-ce que je veux mettre? Bon, un qui est pas utilisé par les autres, évidemment. Utiliser sérum, guérison, ça fait... permet d'utiliser résistance. Remettre, ça serait pas mal. Mais je suis sûr que j'ai mieux. J'ai garde, bah voilà, garde renforcée. Évidemment. Chakra, c'est curieux qu'on l'utilise pas. Non mais garde renforcée. Réduit un peu les dégâts, garde, augmente un peu la TB. Oui, oui, non mais c'est très bien. Marcheur invétéré. Non mais on fait la garde renforcée. Mais c'est curieux que j'ai pas... J'en ai deux gardes renforcées normalement. Voilà, c'est elle qui l'a, l'autre. Protection, résurrection. Ah oui, c'est vrai qu'elle peut nous faire revenir. C'est une chose à savoir. Avant, c'était bien fermé ici. Je vous laisse sécuriser les lieux, d'accord? Ouais. Eddie, j'ai une question. Lors de l'audition, pourquoi est-ce que t'es venu nous aider, au juste? Oui, c'est vrai ça. Parce pourquoi? Candy me l'avait demandé. Ah, seulement d'accord. Pour ça. J'étais pas prêt à prendre autant de risques que vous. Hein? Allez, dépêchez d'avancer. Pardon, excusez-moi. Ah, immunité. Trop mal. Bien, non? Continuons comme ça. Bon, je suis pas du tout expert, hein, mais je veux dire par rapport au fait que j'ai pas joué pendant longtemps, ça va. Je me souviens qu'on peut changer de personnage. Alors lui, oui, d'accord. Il veut pas me parler. On est arrivé là. Et là, ça me l'a refait. Hein, j'allais repartir par là. Hein. Ok. Quoi, il faut que j'aille à la porte. Ah oui, d'accord. Attends. Oh non, mais et j'ai voulu te parler. Le chef de Cornéo est très proche. Il est où? Je préfère passer devant à partir d'ici. Eh, tu te serais pas un peu téléporté là? Allez, on soigne tout le monde. D'abord, on achète le disque. Je sais pas pourquoi je l'achète à chaque fois, mais bon.
pour avoir un succès. Méga potion, oui j'en prends 3 s'il vous plaît. Ok. Éther, j'en prends 2 parce qu'il y a de la réduc. Et queue de phénix, bah j'en prends 2, bon j'en ai déjà 15, ça devrait aller. Bon, on sent le combat de boss là quand même. Hein. En fait, j'ai hâte de le finir pour pouvoir regarder les speedruns. J'aime beaucoup. Non, puis pareil, le message, vous avez récupéré tous vos PV et vos PM. Quand ça fait plus de 20 heures que tu joues, bon... t'es au courant, quoi. Tu peux l'enlever, ce message. Enfin, je sais pas. Là. Ouais. Et ce moyen d'aller sur le plateau? C'est là-dedans. Ouais, c'est un piège. Et qu'est-ce que t'attends pour entrer? Désolé, mais... j'ai encore un peu besoin de vous. Un chien, non, un ghoul, un ghoul. Un ghoul à queue. Attends. Il lui a volé sa bourse. Il lui a volé la bourse. C'est très important. Il a pris la clé de la porte. Allons-y. Ah, petite facilité scénaristique. Allez. Allez, on dit qu'on te croit. Mais en fait, c'est parce qu'il y a de ces tabous. Bon, tout est scripté, donc ça va. Ils nous mettent la musique comme quoi il faut se manier, mais bon. Je ne suis pas dupe. Je compte sur vous. À toi de jouer. Heureusement que je suis là. Ça va faire mal. Ça va de ton côté. Je suis prête. À toi de jouer. À mon tour. Garde ton sang froid. Ouais, aucun problème. C'est tout. Et je peux le faire. C'est pas fini. Je compte sur toi. Ouais, laisse-moi faire. Si vous parlez sérieux. Eh oh. Ah merde, je suis transformé en crapaud. Coute-moi ça. Fini. Oula, oula, oula. Objet. Non. Sort. Méga soin. Allez, 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 allez. Voilà. Objet. Queue de phénix. Objet. Queue de phénix, Claude. Tiens bon, j'arrive. Je me mets en retrait. Allons-y. C'est pas fini. Non, mais je veux pas faire ça. Il faut que je tienne la coupe. J'ai pas dit que tu pouvais te reposer. Mais j'ai fait une parade. Non, Tifa peut pas encore. Objet. Queue de phénix. Claude. Hey, ça va aller. J'ai subi pire que ça. À toi de jouer. Ok, c'est parti. J'arrive. C'est pas fini. Prends ça. Bonne chance. C'est très bien. Ah, il est mort. Putain, mais à chaque fois...
sort. Elle a vie. Allez, sort. Extra soin, Claude. Je sais que ça te dérange. Je suis prête. Donne-moi ça. Y'a rien qui pourra m'arrêter. C'est pas vrai. Heureusement que je suis là. Allez, on le tue là. Voilà. Eh bah putain. Où est-ce qu'il est passé ce petit voleur? Allez là, il nous redonne tout là. Voilà, PM restauré. Très bien. Mon dieu. À partir d'ici, on entre sur leur territoire. Oh. Ces créatures peuvent nous sauter dessus à tout moment. Ouais, d'accord. Mais ça lui a redonné que dalle. Ça y est, les potions ne servent plus à rien, quoi. Ah oui, ça redonne rien du tout, quoi. Je vais me faire soin. Et pour moi aussi. Mais il est là. Attends, j'ai loupé quelque chose, je sens. Attends, pardon, arrête. Je te transperce, mais je suis sûr qu'il y a un truc. Ah, c'est d'où on vient? Ah maintenant, voilà, je savais bien que j'avais loupé un truc, c'était tellement gros comme une maison. Voilà, deux queues de phénix. Ce qui est pas mal vu que j'en ai utilisé quand même quelques-unes lors du combat précédent. Voilà, si on veut bien s'exprimer en français. C'est comme ça qu'on dit. Il faut qu'on passe. Allez. Attendez que ça. Ça va de ton côté. Donne-moi ça. C'est cadeau. À toi de jouer. Je m'en charge. Merde, merde. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ok. Mais le gameplay bien. J'imagine que les gens qui le maîtrisent complètement... bah, c'est qu'il n'y a que maintenant que t'arrives, toi. Ok. Et du coup, on va où? Ah, voilà, peut-être par ici. Oui, d'accord. Et là, il nous attend. Hein. Non, mais c'est vraiment... Voilà, ça c'est l'exemple typique où le jeu te prend un peu pour un con, quoi. Il devrait avoir disparu depuis belle lurette. Non mais on va se faire les monstres parce que ça nous permet de faire du leveling, quoi. Parce que à chaque fois les boss, moi j'ai quand même un petit peu de mal. Enfin, la plupart du temps j'arrive quand même à les tuer du premier coup. Mais bon. Barrette est arrivé niveau 26. T'as une mine toute déconfite. Tu peux parler. Bon, on va faire l'extra soin sur moi. En espérant, je dis bien espérant. Extra soin, en espérant qu'il me redonne tous mes PV. Ça serait magnifique. Et là. Ok, donc on s'est fait ça. Bon, ça permet de sauvegrader. Est-ce qu'on peut améliorer les armes?
Oui, Barrett, on peut. Son fusil d'assaut, on peut. Il a 10 points. Alors, là, on a tout. Là, c'est 6. Ben, il a 10 points, donc on va pouvoir faire le 8. Qu'est-ce qui nous manque? Attaque magique. PV élevé, non. Et là, qu'est-ce qu'on a? Durée des effets bénéfiques sur soi, résistance aux altérations. J'ai bien envie de faire les altérations. Durée des effets bénéfiques sur soi. Augmente la résistance du personnage. Voilà, ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. On en est là, quoi. Et Tifa, il y a... Putain, elle est bien plus puissante, cette arme. Mitrailleuse rotative. Effectue un tir... Bah, on l'a déjà. Effectue un tir puissant, vide entièrement les barres pleines de jauge à télépotence. Ouais, on l'a déjà. Bon, je ferai ça hors ligne, hein, d'upgrader. Et en plus, là, le monstre, il est là. Il nous attend ici, hein, c'est bon. Équipement. Amélioration des armes. Bah, il y a Tifa aussi qui peut s'améliorer. Ah oui, allez. Évidemment. Faut pas qu'on oublie. Donc, elle a 10. Donc, elle peut faire un truc de 8. Et le prochain en 12, c'est quoi? Non, on va attendre qu'elle ait plus de PA. On va les garder. C'est plus raisonnable. On va les garder parce que là, le truc de... Je fais jamais d'attaque magique. Non, mais vraiment, ils nous attendaient. Hein, c'est... Bon, faut que j'arrête de me plaindre, c'est Noël. Il est passé par là, mais nous, on va passer par là. Ah, il est déjà là, non, mais... Ah non, c'en a un autre. On va essayer de les tuer. Il est où? Non mais moi je veux pas être sur lui. Putain. Attends. Aidez-moi. Voilà. Merde, j'ai loupé. Merde, je me suis mis du soin, mais je me suis planté. Mais j'ai vraiment esquivé, hein. Bon, j'ai pas dû esquiver, évidemment, mais... Allez, c'est bon. Oui, bah on est ravis de le savoir, Tifa. T'as bien transpiré. Une super potion. On en est où au niveau vie? Je vais faire un soin pour Barrett. C'est pas terrible. Hein. J'ai pas assez de PA. Objet, je vais faire une potion. Mais ouais, mais les potions, ça me redonne vraiment que dalle. Hein. C'est bon pour Tifa, ça. Voilà, et une potion pour... merde. Et une potion pour Tifa. C'est énervant parce que des fois, on passe beaucoup de temps à faire ça alors qu'il y a un banc qui va arriver genre, juste après. Bon, on est du bon côté, là. Voilà, il est là.
J'imagine qu'il y a moyen d'échapper à tous ces ennemis là, mais. Je compte sur toi. Mais dans mes couilles. Ça va faire. Je compte sur toi. Merde. Allons-y. Je vais la faire. Ah, oh, c'était pas mal. J'ai même pas forcé. Bon, elle a gagné 5 PA là, c'est pas. J'ai pas halluciné, donc normalement on en a 12. Attends, je regarde. Ouais voilà, alors donc fait amélioration des armes. Voilà, donc maintenant on peut renforcer les gants. Attaque physique, remplacement de matériel, régénération meurtrière, c'est quoi ça? Permet d'augmenter le degré de la compétence spéciale au début de combat avec certaines probabilités. Restaure des PV lorsque le personnage vainc un ennemi. Oui, pourquoi pas. Augmente l'attaque magique. Mais ce qu'il y a, c'est que j'utilise aucune attaque magique. Non, je vais lui rajouter un emplacement matériel. C'est quand même le nœud de la guerre, quoi, les emplacements matériel. Et on va lui mettre tout de suite. Elle est où? Elle est là. On va lui mettre. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas? Ça serait pas mal, ça nous permettrait de faire les quêtes, mais bon. Ça serait bien qu'elle puisse soigner, hein, remarque. Hein. Annihilation permet d'utiliser d'ici barrière, ça fait quoi? Ah, condition de barrière, ok. Ça nombre de pas, marcheur d'intérêt. Putain, je lui mets ça, mais j'en sais rien. Hein. Parce que ça me titille depuis le début, ce truc-là de marcher. On va voir. Qu'est-ce qu'on gagne à faire des. Il ira pas plus loin. Il aura bien fait courir en tout cas. Ah là là, les. C'est promis, on te fera pas de mal. Alors reste où tu es. Oh là là. C'est tellement téléphoné, on a l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, quoi. Bon, j'arrête de me plaindre du jeu, mais ça m'arrive. Encore une fois, quand je joue à Judgment, jamais. C'est rigolo, bon. À part la dernière vidéo, là où c'était quand même un petit peu énervant. La mission un peu à la con. Allez, allez. À toi de jouer. Je sens que ça va être le combat à la con, ça. Attends, compétence, enchaînement rapide, voilà, tu le lis. On va lui faire choc combustible. Il faut qu'on le tue, lui. Bon, alors. On va être obligé de faire une queue de phénix. Tifa nous a. C'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Ensemble. J'attendais que ça. Rends-toi ça.
Et là, la caméra, vraiment... Allez, c'est bon, on y est là. D'accord, on y va. Voilà. Un peu plus long que prévu. Et l'autre se pointe toujours quand c'est terminé. Hein. Ouais. Cette histoire de ragondin qu'on suit. Je suis pas convaincu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il nous a pris le contrôle du personnage? Et là pareil, on peut plus bouger, tout est scripté. Enfin c'est très agaçant ça, quand c'est marqué attention comme ça. Y a rien de plus agaçant qu'ils prennent le contrôle du personnage. Et là je peux pas courir, hein. je peux juste marcher, voilà. Mais c'est censé quoi être amusant quoi en fait. Là, là ce qu'on fait là, c'est censé être amusant quoi. Une paire de bottes protectrices. Je sais même plus si les bottes on peut les mettre là, non c'est pas ça. Une paire de bottes confectionnées hein, pour les gardes qui doivent faire face aux conditions les plus dures. Immunise contre l'attention d'état lenteur en combat. Immunise contre l'attention d'état stop en combat. Bah évidemment ils viennent nous le donner, donc on est tenté de... Moi j'ai quoi? J'ai le cristal mystérieux. C'est quoi le cristal mystérieux? Réduit les durées d'effet des altérations d'état infligées au personnage. Bah je sais pas si j'ai... J'en sais rien. J'en sais rien. Et sur Tifa, elle a un gilet pare-balles. Peut-être que les bottes protectrices. D'état stop en combat. Mais je sais pas, il y aura peut-être un ennemi. Le prochain ennemi va nous mettre des trucs d'état de stop, peut-être. La pote est déverrouillée, bah oui. Et donc faire baisser le niveau d'eau. Oui, ils ont tous l'air d'accord avec ça. Attends, j'ai dévoré un truc et ouais, on va y aller après quoi. Enfin, et tout, non mais je me plains beaucoup là dans cette vidéo, mais c'est vrai que tout se ressemble quoi. Là, il n'y a pas un couloir qui ressemble plus à un autre couloir. Déjà quand il n'y a qu'un seul ennemi pour être loqué. Ah voilà, c'est le rejeton chapardeur. On va se concentrer sur lui parce que... Ah putain de ta mère. Il faut faire quelque chose. Bah oui. Faire quelque chose mais... Ah
Allez, allez. Sors, vie. Je peux te laisser t'en occuper. Je m'en charge. Putain, je vais mourir. Mais putain. Ah putain, mais je suis mort en plus. Mais c'est terrible. Dans ce jeu, j'ai l'impression qu'on fait tout le temps stop pour se remettre de la vie, quoi. Pourtant j'étais bien parti, il était mid-bar, le... Il y a quand même un vrai souci de caméra. Hein. Ça, j'arrive. Ne te précipite pas. Tu crois que ça ira? Bien. Quoi, quoi? Tu dois être plus prudent. Ouais, non, en fait, c'était à lui que. Prends ça. Je compte sur toi. Fini de jouer. Allez, ensemble. Je m'en occupe. À toi de jouer. Laisse-moi faire. J'arrive. À toi de jouer. Allez, prêt. Bonne chance. Je m'en charge. Ok, c'est parti. C'est cadeau. Laisse-moi faire. Ça suffit. Non mais Barrette, là, il faut faire quelque chose. Objet. Antidote. Non, mais je vais mourir encore. Bon, on va mettre les bottes hein, de qui empêchent le l'état de stop. Et on va le mettre sur Tifa. Enfin non, sur Barrette. Parce que c'est quand même con de mourir en boucle ici. Voilà, comme ça. Équipement et matériel. Barrette, on va lui mettre ses fameuses bottes protectrices. Allez, c'est parti. À toi de jouer. Tu crois que ça ira? Tu m'en diras des nouvelles. Désolé, mais j'ai pas le choix. Je suis prête. Prends ça. Attention à toi. Et... Ils vont bientôt se rappliquer, les autres. Très bien. J'arrive. Il faut que je tienne le coup. Faisons autrement. Alors, attendez, je vais me faire un coup de soin. Putain, mais Barrette va crever, quoi. Il faut absolument qu'on se les tue. Alors attends. Objet. Méga potion sur Cloud. T'es foutu. J'en remets une fourrée. Attention à toi. Je tiens à toi. Non mais elle est morte, putain.
Ah mais putain, mais c'est pas possible. Sors. Quoi, je peux pas? Méga potion, je m'assure moi. On y va, passons aux choses sérieuses. C'est un peu chaud là, c'est pas grave. Il est encore debout. Je sais que tu vas le souhaiter. J'arrive, viens. Prends ça, trop tard. Goûte-moi ça. Voilà, c'est bon. Allez. Taillade croisée. Eh ouais, putain. Au bout de la troisième. Hein. Rends-le-moi. Ouais, ça va, on a couru exprès pour toi. Tu crois qu'on va te la piquer, ta clé? C'est quoi? Ah, s'il te plaît. C'est de la peau de couille. Pardon, j'en fais collection. C'est ça, ta clé? Désolé. Ah, c'est un petit colis pour ta petite copine. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas? C'est un souvenir de ta mère? J'ai pas de famille. Qu'est-ce qu'il va inventer? T'en sais rien de ce que c'est? Non, je l'ai trouvé par terre, ça coûte 1 euro, je voulais pas le perdre. On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. Quoi, celui du Troisième Reich? En langage des fleurs. Ah, pardon. Autant pour moi. Tu devrais m'oublier, ça vaut mieux. D'accord. Vous êtes qui? Ce sera plus simple si je sais qui vous... D'accord. Il y a 6 mois, après que Cornéo l'a choisi comme concubine, je ne l'ai plus jamais revue. Oh là là, c'est cucu! Avant mon de Dieu, partir, m'a rendu ça. J'ai 41 ans, moi. Sympa, non? C'est cucu, ça. Il m'avait coûté une petite fortune. Mon Et Dieu. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me venger. Ah, bah carrément. Pour une babiole à 1 euro dans un gâchapon. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. T'as raison. Faut jamais avoir de regrets. Fais comme tu veux. Du moment qu'on peut aller sur le plateau, on te suit. Oui, bah ça, c'est d'un pragmatisme, Claude. N'inquiète pas. Je vous en fais la promesse. Bon, très bien. Ça fait des relations saines. T'as marqué des points. C'est-à-dire quoi, ça? Que tu veux bien te faire sodomiser? Barrette de shit. Passons par ici. C'est un raccourci. Oui, mais attends, je casse qu'elle se caisse d'abord. Ah, j'aurais dû utiliser tout ça. Bon. C'est un raccourci? Bah, c'est surtout que c'est la seule porte qu'il y a. C'est un raccourci. Oui, mais c'est surtout la seule porte que l'on ait. Il perd rien pour attendre. Sois poli, s'il te plaît, enculé. Hein? S'il vous plaît. Si vous... Et là, quoi? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah. Tout à l'heure, on avait ça. J'y vais. J'y retourne. J'en ai rien à fiche. J'en ai rien à fiche, je sais.
Je sais pas. Attends, je sais plus. C'était pas là? Oui! Putain, je suis trop fort. Le trésor de Cornéo, voilà la quête secondaire, bordel de couilles! Compétence, choc combustible, on va faire ce. On s'attarde sur le B. Hein. Aller dans les escaliers, c'est pas une bonne idée. Non, mais nous on veut le B. Attends. Compétence. Objet. Parce que je sens qu'elle est mortelle. Hein. Queue de phénix. J'ai subi pire que ça. Je me laisserai pas faire. Ça se présente pas. Ok. Objet. Super potion. Alors elle peut faire sort, elle peut faire vie sur Barrette. Bah Claude est mort aussi. Claude. Tu peux pas. Je vais pas me laisser faire. Prends ça. Bouge. Attends, j'arrive. J'ai pas le droit de foncer. Ouais, non, là. Ça va être compliqué. Et en plus je suis en crapaud et donc c'est très compliqué. On va retenter un. Il faut au moins qu'on arrive à en tuer un. Si on en tue un, il y a possibilité de, d'après que, en se redonnant de la vie, d'arriver à avoir les deux autres. Mais il faut dès le départ. Mais je pense qu'il faudrait utiliser le feu. Je pense qu'ils doivent être allergiques au feu. C'est des crapauds. Allez, Tifa, je vais lui mettre le feu là dans ses compétences. Équipement et matéria. Voilà, le marcheur invétéré, ça on s'en fout. Je vais lui mettre le. Voilà, je vais lui mettre le feu. Là, c'est quoi? Protection. Je m'en sers jamais hein, de protection. Résurrection. Auto-soin. PV augmenté. Garde renforcée. Non mais voilà, je vais mettre le feu. Je vais mettre le feu. Pas droit à l'erreur. On va s'attarder sur le A. Et elle est pas encore. Je compte sur toi. Ok, allez Tifa, on va voir sort extra feu, on va voir si ça marche. Voilà, c'est bon. Non mais on veut. Niveau. Mais est-ce qu'on pourra revenir ici? On n'a pas le niveau là. Ils sont trop forts.
sais pas comment. Et est-ce qu'elle utilise le feu quand je la contrôle pas? Je vais essayer de jouer protection à mort. Attends, je regarde quelque chose. Amélioration des armes. Qu'est-ce qu'il a comme matériel? Protection, soins, garde renforcée, chronomancie, permet d'utiliser hâte, garde renforcée, vision. Bon, j'essaye une dernière fois, mais j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas le niveau. Pas droit à l'erreur. Non mais je suis déjà en crapaud, alors comment veux-tu? Non mais on est transformé en crapaud. Non mais on n'a pas du tout le niveau là. Faut que je me saisisse. Bon, je vais essayer hein, mais queue de phénix paraît. Fais attention. Non, sort extra soin sur moi. Putain, mais je fais à peine ça que je suis déjà mort. Et je suis encore en. Putain. Objet. Que de phénix, Tifa. Putain mais voilà, ça devient compliqué, elle meurt aussitôt. Non mais c'est... Non mais c'est compliqué là. Là, ça devient... Alors je sais pas si c'est moi qui joue mal ou certainement, mais là je vois pas. Déjà on est transformé en crapaud. Bon, je vais essayer de jouer sans en fait me poser aucune question, je vais bourriner. Comme je fais tout le toujours. Allez. On va les calmer. Non mais il est déjà en crapaud, c'est super agaçant. La caméra. Non mais il meurt en 2 secondes. Non mais c'est pas du bon. Je suis pas encore au niveau. Déjà s'il était pas en crapaud, ça aiderait énormément. J'espérais être meilleur que ça. Non mais. Oui. Déjà, s'il n'était pas en crapaud, je pense que ça aiderait beaucoup. Comment on peut éviter les altérations d'état? Je vais regarder ce que je peux porter. Parce qu'évidemment, ça donne du challenge. Je suis à 2 doigts de changer de jeu et je sais que je n'y retournerai jamais.
Pas parce que j'ai déjà fini tous les Dark Souls, donc j'ai de la patience, hein, c'est pas ça. C'est que ça m'intéresse pas, voilà. C'est brouillon, la caméra part dans tous les sens, là on est coincé dans le couloir. C'est pas une question de difficulté, parce que j'aime bien comprendre en fait, voilà, c'est ça. Amélioration des armes. Non. Équipement de Claude. Alors, oui, il avait quelque chose qui permettait. Immunise contre la lenteur en combat, l'état stop. Réduit les dégâts subis lorsque vous ne contrôlez pas le personnage. Augmente l'effet des soins. Réduit la durée d'effet de l'altération d'état infligé sur le personnage. Bon bah. Bah, il l'a déjà. Il l'a déjà. Bon, allez, je réessaye une. Non, mais on n'a pas le niveau. On reviendra. Enfin. Si c'est pour gagner un petit colis à la con. Je crois que c'était par là. Hein. Si c'est pour gagner un petit colis à la con. Merci, au revoir. Merci, madame. Au revoir, madame. Putain, mais j'aurais dû me soigner. Ouh. Je suis vraiment con. Ouais, c'est vrai. Il me redonne tous mes. Et puis là, bah, il va rien avoir dans les. Ah, si, quand même. Il a redonné à qui les PM. Ok. Je vais utiliser une. Un éther. Je vais en utiliser les deux. Voilà. Allez, on est pas trop mal. Bon, bah, on se casse, mais est-ce qu'on se souviendra qu'il faudra revenir ici? J'en suis pas certain. Une chose est sûre, c'est que dès qu'il nous tape, 3-4 fois, on est mort. Bon. Pourtant, j'aime bien hein, quand il y a des challenges, mais je sais pas, là, c'est trop brouillon. Ça m'agace. Je trouve ça injuste. Le trou de la grenouille, bon. On se retrouve à 2 contre 3. Et puis en plus, il meurt. Et puis, il faut utiliser une queue d'éther. Ouais, c'est bon, et ça. Il y a tellement de bons jeux à faire. J'ai l'impression de perdre mon temps là. Puis c'est. Non, mais je vais encore me plaindre, mais c'est pas possible. Lui, là, on le suit depuis tout à l'heure. On se croirait retourner il y a 50 ans dans les jeux vidéo, quoi. Avec son histoire de petit colis à la con. Je me plains beaucoup, là. Ce jeu m'agace. Il nous attend et les doublages sont honteux. Je termine ça et puis j'arrête. Autant jugement me met de bonne humeur, mais alors ce passage-là, oh là 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 là. Et heureusement qu'il y a la carte. Oh mon dieu. Et là, pareil, on peut plus courir, attendez-moi putain. Ici. Attendez-moi ici, mais je fais ce que je veux. C'est vraiment une bonne idée de le laisser y aller seul. Oh là là. J'ai envie de savoir quand même ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Et là du coup, si je mets la carte, qu'est-ce qu'il y a par ici? Tout se ressemble, enfin véritablement là. Puis là, la petite phrase de Barrette de shit, c'est vraiment une bonne idée d'y aller seul. Genre, ça te dit au joueur, hey, c'est par là. Ouais, c'est bon, j'ai pas 15 ans quoi. Mon dieu, bon, pour cette partie 1947 de Final Fantasy, je vais m'arrêter ici. Ça me saoule. Ce jeu me saoule. Mais je veux aller. Qu'on sache quand même ce qu'il y a derrière cette putain de porte. C'est moi, Leslie. Je suis venu vous livrer un message important. Ah oui? Tu es seul? Oui. Henri? Et où sont mes petits chatons d'avalanche? Si je ne m'abuse, c'était pourtant ta mission de me les ramener. Je suis désolé. C'est ce dont je voulais vous parler.
Leslie, tu n'es pas sans savoir pourquoi je me cache dans ces égouts. Les petits châteaux d'avalanche m'ont coincé. Et j'ai un petit peu trop parlé. Ah, puis voilà, en fait, on n'y croit pas parce que. Parce que l'univers n'est pas cohérent. Il y a rien là, il se cachait derrière un paravent. Il attendait quoi? Il était là depuis des heures. Il y a rien, c'est une arène de combat quoi. C'est pas cohérent, ça tient pas debout. Les petits châteaux viennent s'en mêler. Ils ont fait fuir ces rats du bidonville. Il faut que je te dise un petit secret. La Shinra veut abandonner Midgar. Et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit. J'y avais ma place. J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market. Mais maintenant, je suis recherché. Leslie. Et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement. Oh. Tu me déçois beaucoup. Ah, le doublage français, mon dieu! Et maintenant, un petit quiz! Quand les grandes crapules dans mon genre se mettent soudain à raconter toute la vérité comme ça, c'est dans quel type de situation, hein? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. C'est ça. Tu en es persuadé? Oh mais... Que faites-vous là? Parle-moi du secteur... Ça aurait pu être génial et ça ne l'est pas, voilà. C'est ça qui est vraiment décevant. Là! Oh! Regarde! Là! Non mais tu te fous de ma gueule, là! Oh hi! Tant pis! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule, en vérité. Voilà, le monstre qui sort de nulle part, enfin voilà, tout ça fait que le jeu est vraiment pour les enfants, quoi. Enfin... À toi de jouer, mon poussin. Fais-leur les gros poutous. Genre le monstre t'obéit, quoi. C'est... Voilà, le monde n'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Ça m'aurait beaucoup plu, hein. Je trouve que le jeu est magnifique, mais... Mais c'est pas cohérent. On va d'abord faire taire celui-là. Non, on va déjà faire taire les petits. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. Non, il faut qu'on... Je compte sur toi. Je m'en occupe. Ah, ils viennent et ils se cassent ou c'est quoi l'histoire? Je compte sur toi. Laisse-moi faire. C'est là qu'on va voir si on avait vraiment pas le niveau pour les autres, parce que du coup lui s'il est beaucoup plus simple, on va s'en rendre compte très vite. Allez, allez!
Laisse-moi faire. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai Claude, il a un problème, je sais pas. Ah, de l'eau. Extra soin. Alors, sort, extra soin. Je compte sur toi. Je t'attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, attends, attends. Qu'on passe pas n'importe quoi. C'est pas fini. Ah, il est mort, Barrette. Attends, déjà, on... Ok. Elle a la compétence en sort, elle a la vie. Hein. Ok. Non, je veux pas bloquer sur lui, putain. C'est tendu. Ah, j'ai pas envie de refaire le combat. C'est des combats à rallonge à chaque fois, putain, et la lock est insupportable. Allez.
objet. Queue de phénix. C'est l'heure de la riposte. Allez, à quoi? Ça va aller. Objet, queue de phénix, Claude, allez, déconne pas. Je me laisserai pas faire. Oh putain. Je vais m'en charger. Eh putain, je vais mourir, je vais être obligé de tout recommencer, ça va me gonfler. Allez, je fais l'invocation. Putain, il me reste plus rien. Eh putain. Il était que mid-bar en plus, hein. J'imagine que les petits sont là pour pouvoir nous donner pouvoir faire des attaques, quoi. Enfin, pour nous donner de... Enfin, vous avez compris. J'en suis où, là? J'ai... déjà, je... Ok. Non, c'est vraiment des... Enfin, c'est des combats à rallonge. C'est ça qui est vraiment très, très agaçant, quoi. Alors j'imagine qu'en speedrun ça doit être génial parce que on doit connaître les faiblesses. Mais là déjà je vais changer son équipement. Je vais mettre le gilet pare-balles déjà. On va essayer de le refaire mais c'est tellement long et tellement chiant. Et puis il faut pas que je me mette en dessous des trucs d'égout. Bon déjà ça on va le passer. Faut que je fasse attention à la flotte qui se déverse. Il doit être sensible au feu, j'imagine. Non, puis le lock, quoi. Le lock. Là, voilà, par exemple, là, je ne comprends rien de quoi, de où je suis, quoi. Attends, on va essayer. Non, elle a pas encore. Non, puis voilà, là ça n'a rien fait, mais. Il peut pas garder en mémoire ce qu'il est censé faire. Puis le lock, voilà. Moi je voulais être sur le monstre, et puis en fait ça me met sur le petit. C'est très, 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 très grave. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. C'est sûr que je connais pas tout. Bon, il y a une fragilité, mais j'ai pas fait gaffe à exactement ce que c'était. Allez. Oui, d'accord.
ça c'est ok. Ah putain, mais j'arrive pas à loquer là là là. Putain. Sors. Il est peut-être Putain, voilà. Elle, Tifa. Je compte sur toi. Putain. Ok, c'est parti. C'est pas fini. Non, mes défenses sont enchaînées, on sait pas pourquoi, quoi. Ah putain. Pas des coups. Non mais voilà, là pourquoi la caméra est comme ça, putain. C'est vraiment insupportable. Non, je fais pas ça. Putain, voilà. Putain, c'est super. Allez, allez. Et je me suis protégé, hein, j'ai le doigt sur le sur la protection. Non, je vais faire l'objet parce que le truc c'est d'être tous là quoi. Tu te sens mieux ? Allez, revenez là, il va faire une attaque de merde. J'arrive.
Putain, mais j'étais protégé là, mais vraiment. Il faut que je tienne le coup. Pas de chance pour toi. Ça, j'ai pas compris ça. Putain. Attends, invocation, allez, Shiva. Shiva, viens nous sortir de là. Frappe céleste. Ah merde. Tue-le, tue-le. C'est bon. C'était laborieux. C'était laborieux. Bon, j'imagine qu'en speedrun, il doit se faire en 2-2, mais bon, moi, je ne suis pas speedrunner. Mon dieu. Je sais même plus pour ce qu'on va chercher. Ça ou va. Quoi. Ah, lui, il dormait. Il était dans la pièce à côté, il dormait. Cornéo. Désolé, il nous a échappé. Tant pis. Tant pire. Tant pire, je remonte à la surface. Je le retrouverai bien.
De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Enfin, un aveu de vérité. Rien mieux que ça, que de chercher Cornéo. Hein ? Cherche plutôt ta fiancée. Et construisez le troisième Reich tous les deux, comme elle te l'avait promis. Pour toi, il est encore temps. Oui, vous avez raison. Je vais faire comme ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Dis donc, faut que t'arrêtes de fumer, hein. T'as les yeux jaunes pisse là maintenant. Ça commence à se voir là. Hein ? C'est ce que cette fleur signifie. Ah, pardon, j'ai pas écouté. Tifa, oui. La fleur, elle signifie quoi ? Je crois que vous avez raison. Je vais la chercher. Oui, voilà, ça fait ça. Marche pendant une heure. Deux secondes. On t'as te suit. T'as pas oublié ta promesse, j'espère. Non, je sais. Putain, j'ai les mains moites. Le combat était dantesque. Sortons d'ici. Que je vous montre comment aller là-haut. Qu'est-ce qui est que quoi ? Lorsque vous aventurez sous terre pour faire une quête ou trouver un trésor, vous pouvez à tout moment retourner quelque part à la surface en maintenant la touche L1 appuyée. Ah, c'est très bon. Très bon, c'est très bon à savoir. Sachant qu'on n'a pas... On n'a pas pu terminer... Est-ce qu'on peut sauvegrader ? Non mais déjà on va se soigner quoi. Enfin je veux dire on est pas fou. Barrette il est en train de voilà, il a l'article de la mort. Voilà, déjà ça fait du bien. Tifa. Et Barrette encore un coup. Voilà, on dépense sans compter. Non. Non, on va s'arrêter là, on retourne à la surface. Je vais essayer de voir si on a le niveau pour aller faire cette quête là. On est où là ? On est où ? Je suis con, il y a un petit matelas. Bon, j'imagine qu'il y a exactement le même à la surface. Mais cette quête avec le trésor là de Cornelio là, ça m'est resté en travers. Hein. Je vais m'arrêter là. Et je vais réfléchir si on va pas retourner quand même, parce que si on peut tuer le boss, vraisemblablement en ayant gagné un niveau ou deux, enfin un niveau là j'imagine, on peut se faire ces monstres. Bon, j'arrête ici et on fera la partie 2 très 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 prochainement. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, hein, c'est important, c'est très important. Et excusez-moi encore si j'ai un peu pesté, c'est que les temps sont durs.